À la une de l'actualité, nous parlerons santé, plus précisément de la prise en charge des malades atteints de cancer féminin. La rédaction s'est rendue à la maison d'Alice pour rencontrer deux personnes exceptionnelles. Vous allez le voir. Et puis nous verrons les barrières flottantes, le nouvel outil pour lutter contre la pollution plastique au Gabon, une initiative qui porte d'ores et déjà des fruits. Voilà pour les principaux titres, il est 19h45. Merci de faire confiance aux médias fièrement gabonais pour vous informer. Qui dit octobre rose. Alors que la campagne de sensibilisation contre les cancers féminins bat son plein, la rédaction s'est portée sur la question de la prise en charge des malades dans notre pays. Je vous invite à découvrir deux personnes exceptionnelles qui sont au cœur même du sujet. On regarde tout de suite. Avoir le cancer ailleurs comme au Gabon n'est pas chose aisée. Il est très difficile lorsqu'on apprend qu'on est atteint d'espérer continuer sa vie. C'est à ce moment qu'intervient la Maison d'Alice, centre du traitement du cancer dans le Grand Libreville. Ici, plus d'une centaine de patients ont été hébergés en pension complète avec prise en charge financière depuis sa création en 2016. C'est le cas de Bissalou Maridiane et de Nzengon Altride. Toutes deux vivent à la maison d'Alice et font partie de la douzaine de patientes internées cette année. Pour elles, le souvenir du début de leur cancer est toujours aussi vif. Je m'étais rendue à l'hôpital au moment de la sensibilisation d'Octobre Rose. C'était le 31 octobre, enfin c'était presque à la fin, hein. 31 octobre 2021, je me suis rendue à l'hôpital me faire dépister. Quand le médecin m'avait annoncé que non, j'ai la maladie du cancer, vraiment, ça m'avait vraiment attristée. J'étais trop triste, et je pleurais. Je disais que ah, vraiment, je vais laisser mes enfants avec qui, je vais laisser mes parents avec qui, surtout ma mère, oui ma mère. Mes enfants, ma mère, je pensais trop. Je disais, mon Dieu. Une fois que la maladie survient, la vie des concernés est souvent bousculée. Et ce ne sont pas celles que l'on appelle affectueusement maman Marie et maman Altride qui diront le contraire. Ah, vraiment, c'est quoi? J'ai d'abord, mon ami m'a abandonné quand il a appris que non, quand il a constaté que j'avais la maladie du cancer. Oui, il m'a dit que non, vraiment, il ne pouvait pas s'engager, oui, parce que ça là, non. Il n'a même pas résisté à 2 mois. 1 mois après, il m'a abandonné. J'ai dit, c'est pas grave. Moi-même, j'ai pris courage, oui. Lorsque nous sommes venus ici évacuer, enfin, moi, je me disais que quand tu as le cancer, hein, tu es abandonné par ta famille. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Parce que depuis que je suis là, lorsque mes parents ont appris que j'ai le cancer, eux, ils n'ont vu que la mort. Moi aussi, je n'ai vu que la mort. Mais on ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui tenait les gens en charge. Pourtant, de cette obscurité surgira une lueur d'espoir. La Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, qui ne sera pas insensible à la situation de Bissalou Maridiane et de Nzengon Altride. Résultat, prise en charge totale du traitement. Les concernés n'ont pas de mots pour décrire leur gratitude. Le traitement aussi se passe vraiment bien, agréablement bien. Ils prennent soin des malades, oui. Côté financier, côté nutrition, en tout cas, ça passe. Oui. Le traitement aussi, ça marche. Parce qu'il faudrait que Dieu bénisse cet homme et sa femme. Parce que lorsque nous sommes arrivés ici, tout c'est la fondation qui fait. Ordonnance, tout, en tout cas, tout et pour tout. Ce qu'un parent ne peut même pas te faire, c'est ce que la fondation nous fait. Ce que Sylvia Bongo et son mari nous font. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Parce que nous avons une grâce. Les ordonnances sont cadeaux. Tout est cadeau. Un parent ne peut pas nous faire ça. Parce que même quand tu vis avec un parent, lorsqu'ils entendent que tu as le cancer, il y a des problèmes qui vont se passer à la maison. Ils vont même te mettre dehors. Mais ici, là, nous sommes les privilégiés de la première dame. Les invités d'honneur. C'est une grâce. Pour rappel, chaque année, 400 décès sont dus au cancer féminin. Il est plus que nécessaire pour les femmes de se faire dépister. Je peux dire aux femmes d'aller se faire dépister. Il n'y a pas une honte à cela. Hein? Que les femmes aillent se faire dépister. Le cancer ne tue pas. Sauf lorsque vous partez en retard. La pollution plastique, une vraie épine dans la sauvegarde de l'environnement qui se traduit en tonnes de déchets se déversant dans les eaux. Pour solutionner ce problème, Clean Africa Gabon procède depuis 2 ans à l'installation de plusieurs barrières flottantes dans les embouchures. On fait le point dans ce reportage.
Depuis 2 ans, en sillonnant les artères de la capitale, on peut tomber sur ces curiosités. Étendues le long des embouchures, mais que sont réellement ces choses? Bon, les barrières flottantes que vous avez pu observer sur certaines embouchures de fleuves qui mènent à la mer sont exactement un système de rétention des déchets qui sont installés en amont des embouchures et des bassins versants qui permettent la rétention des déchets issus du continent et qui convergent vers la mer. Il s'agit donc des outils installés à l'origine par le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, et maintenant par Clean Africa Gabon, afin de lutter contre la pollution plastique. Ces barrières sont fabriquées de manière artisanale. C'est une technique artisanale, comme vous pouvez le constater justement avec les éléments qui sont en cours de fabrication. C'est une technique artisanale, c'est fait essentiellement à base de bouteilles plastiques que nous récupérons sur nos différents sites de rétention. Et ces bouteilles plastiques sont mises, déjà fermées hermétiquement pour assurer la flottabilité. Et ensuite, on les met sous forme de cylindre dans un filet de pêche. Et le tout est maintenu par un cordage qui permet la fixation. Des installations présentes sur plusieurs sites. Les sites sur lesquels nous avons installé ces barrières, justement, nous avons eu comme site pilote le pont Bataveya au niveau de la CNSS. Mais aujourd'hui, nous avons des barrières installées du côté de Jean de Bory au niveau du pont. Nous avons des barrières installées derrière le KFC à une embouchure qui mène à la plage. Et nous avons multiplié les points de rétention dans le canal Bataveya qui nous permet de maximiser justement cette rétention de déchets. La pollution plastique est engendrée par l'accumulation de déchets en matière plastique dans l'environnement. Dans ce contexte, quel est l'impact attendu de ces barrières? Ces barrières sur le plan environnemental n'est plus à démontrer parce que justement, il se trouve qu'en observant le comportement de ces barrières, le rendu met en exergue une problématique environnementale indéniable. Aujourd'hui, la présence de ces barrières évite qu'une très grande quantité de déchets qui normalement devraient se retrouver dans la mer sont retenus à ces endroits-là. Et précisons qu'en ce moment, les tortues justement qui exploitent nos plages pour la ponte sont en période de ponte. Donc on connaît tous les difficultés qu'elles pourraient rencontrer si ces déchets étaient directement déversés sur les plages. Donc c'est un impact environnemental très important. À Libreville, 600 tonnes de déchets sont produites par jour. 50 à 70 sont constituées de déchets plastiques. Une situation épineuse que ces barrières flottantes pourraient contribuer à régler. Ensuite, nous envisageons dans un proche délai mettre des filets de rétention également sur des exutoires qui donnent sur le bord de mer. Et nous sommes également en discussion avec certaines ONG pour envisager une collecte des déchets dans des zones aquatiques, notamment dans des mangroves. Nous finissons cette édition d'information par cela à Libongo à Londres le 18 octobre prochain pour la cérémonie du lever de drapeau, un acte qui symbolise l'entrée du pays dans le Commonwealth. C'était votre Flash Info, merci à tous et n'oubliez pas, l'actualité continue sur Média 241.